Je continue ce matin la série d'homilies que j'ai commencée ayant pour thème « Virage à 180 degrés ». Je rappelle un peu ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, mais c'est comme une suite là-dedans. Je disais il y a quelques semaines qu'il y a dans nos vies à tout le monde, la plupart du temps, on vit des journées ordinaires et c'est tout à fait correct. On a besoin des journées ordinaires. Mais il y a aussi dans nos vies ce que j'appelle des moments clés. C'est ça que j'appelle un virage à 180 degrés. Des moments clés où c'est important de ne pas les manquer. Parce que dans ces moments-là, il y a un changement qui arrive dans notre vie. Il y a un changement qui probablement va nous suivre pour une grande période, si ce n'est pas pour le reste de notre vie. On se disait aussi, une des choses quand on chemine au niveau de la spiritualité, c'est très important d'avoir l'humilité de reconnaître qu'on est tous, sans exception, des personnes blessées. Puis des fois, je ne sais même pas c'est quoi ma blessure, mais on est tous des personnes blessées. Et juste le fait de reconnaître qu'on est des personnes blessées, ça change quoi? D'abord, ça nous permet de faire la vérité. Quand je ne fais pas la vérité, je ne peux pas progresser. Et quand je reconnais que je suis une personne blessée, ça me rend beaucoup plus sensible aux blessures des autres. Et ça a l'air paradoxal, hein? Mais Dieu passe souvent par mes blessures pour m'aider à guérir les blessures des autres. C'est sa façon de procéder. La semaine passée, on se disait, une des choses qui m'empêche de prendre des tournants dans ma vie, vous savez, c'est quoi? J'ai peur. On a différentes peurs, là. La peur, ça peut nous bloquer. Et on disait, vous savez, quand je prie le Dieu de Jésus-Christ, moi, je ne prie pas un Dieu magique, là. Je ne pense pas que le Dieu va régler tous mes problèmes à ma place. Ce n'est pas ça que je crois du tout, là. Mais il fait quoi, d'abord? Il fait quoi? Bien, je pense que quand je prie Dieu, ce que j'ai besoin d'abord et avant tout qu'il me donne, c'est le courage pour mes défis à moi. Et si j'ai une chose à lui demander, c'est ça. Donne-moi le courage pour mes défis à moi, là, pour pas que je me laisse arrêter par mes peurs. Bien des fois, je ne vis pas certains moments clés de ma vie parce que j'ai trop peur. Moi, je crois profondément, là, que Dieu me donne le courage pour mes défis à moi, si j'y demande, là. Mais je n'ai pas le courage pour vous défier à vous autres, là. Le courage est adapté à chacune des personnes. Et ce matin, l'évangile qu'on a en ce quatrième dimanche de Pâques, on appelle ça le dimanche du bon pasteur. Jésus se compare à un bon pasteur. Il va dire, « Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais, puis elles me suivent. » Et c'est beau ce qu'il dit après, il dit, « Vous savez ces brebis-là, c'est une façon imagée de parler, il dit, « Je crois que c'est le Père qui me les a donnés. » Et le message pour nous ce matin, de la même façon que je crois que Dieu veille sur moi, je crois que Dieu veut passer par moi pour veiller sur certaines personnes. Et c'est ça le message de la fin de semaine qui continue, c'est de dire, si je veux vivre un vrai changement dans ma vie, vous savez quand est-ce qu'arrive un vrai changement, un virage à 180 degrés? C'est quand je prends au sérieux le fait que je suis un pasteur. Je suis un pasteur pour des personnes que Dieu m'a confiées. Et comme Jésus disait, je crois que c'est Dieu qui me les a confiées. Et nous, souvent, quand on pense à pasteur, je ne sais pas, avant on associait ça juste à des prêtres, ou je ne sais pas trop quoi, on pense à quelqu'un qui dirige bien du monde. Un pasteur, ce n'est pas juste quelqu'un qui est à la tête de 200 personnes, ce n'est pas vrai, ça. Une mère monoparentale avec deux enfants, pour moi, c'est un pasteur. Il ne faut pas que tu aies deux pieds dans la même bottine. Il y a quelque chose à faire là. Hein? C'est quoi un pasteur? Un pasteur, c'est quelqu'un qui accompagne quelqu'un de près et qui peut même l'aider à changer sa vie. Un pasteur, là, ça donne le goût de vivre. Comment tu fais ça? Par des paroles, oui, mais pas juste par des paroles. Tu donnes le goût de vivre par ton attitude, par ta présence de qualité. Un vrai pasteur, là, ça fait sentir aux gens qui te sont confiés, là, toi, là, je te laisserai jamais tomber. Jamais. Jamais, quoi qu'il arrive. Là. Et en 2019, c'est tellement important d'avoir du monde comme ça. Vous savez pourquoi? On vit dans un monde, nous autres, là, c'est jetable après usage. On fait des pique-niques cet été. Ben ouais, on remplit les poubelles.
Le danger, vous savez, c'est quoi? On peut faire la même chose avec des personnes. Combien de personnes aujourd'hui se font flusher, là? Comme si j'étais une assiette ou un recyclable. Ah ouais, à poubelle. Il y a des gens qui ont besoin de lui. Et quelqu'un me dit, ouais, Jacques, c'est beau ton affaire, on est tous pasteurs. Y a-t-il un signe pour me montrer que je suis pasteur encore de temps en temps, parce qu'il faut réveiller ça, hein? Un des signes pour savoir si je suis pasteur, là, posez-vous cette question suivante. Y a-t-il encore dans ma vie présentement des personnes pour qui je m'inquiète de temps en temps? Ça, c'est un bon signe. Un autre signe? Pour ces personnes-là, ce que j'appelle le regard rapproché, là, les personnes que Dieu nous a confiées, là, quand tu es un vrai pasteur, là, si ces personnes-là qui me sont confiées sont heureuses, vous savez ce qui m'arrive à moi? Je suis heureux. Ce qui leur fait plaisir, là, leur fait autant plaisir que si ça m'arrivait à moi. L'inverse aussi, là. Si les personnes qui me sont confiées leur arrive une bad luck, là, ces personnes-là sont malheureuses, vous savez ce qui m'arrive à moi? Moi aussi, je suis touché. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est reposant ce que je vous dis là, mais c'est un bon signe, hein, s'il vous plaît. C'est toute la différence du monde entre un robot et un pasteur. Et il y a bien des façons d'être pasteur. Je disais tantôt, souvent en association aux prêtres et tout ça, oui, c'est vrai, là, je pense que c'est une façon d'être pasteur, puis ça n'en prend. Mais il y a d'autres façons. Moi, je suivais les nouvelles cette semaine, une nouvelle qu'on n'a pas beaucoup parlé. Et à mes yeux, à moi, cette semaine, il y a un très grand pasteur qui est mort. Et ce pasteur-là, il n'est pas prêtre. Il s'appelle Jean Vanier. Jean Vanier, c'est celui qui a fondé, il a dédié toute sa vie lui, pour les personnes handicapées intellectuelles. Il a fondé ce qu'on appelle l'Arche de Jean Vanier. Il y en a dans plusieurs villes, dans plusieurs pays du monde. Vous savez, c'est à quoi son idée? Anciennement, vous savez ce qu'on faisait avec les personnes qui avaient des problèmes psychiatriques, là, santé mentale? On les mettait dans des grandes, grandes institutions. Puis là, elles devenaient un numéro. Aïe, lui, il y aurait-tu moyen de les mettre dans des petits milieux, un peu comme une famille, là, puis on va les entourer d'amour, puis ils vont connaître ça. Et c'est ce qu'il a fait. Lui, il a cru là, que sa mission à lui, sa vocation, que ça, comme vous voulez, c'était de faire ça. Et Dieu lui a donné la grâce. Il faut toujours croire que Dieu nous donne la grâce quand on a besoin. J'ai pensé ce matin vous présenter un petit vidéo. Il y a deux petites phrases qui sont passées dans cette vidéo-là. Il est dit en anglais, on avait le sous-titre en français, mais je les répète parce que c'est tellement important. Jean Vanier qui disait, « Les gens handicapés nous enseignent une leçon de liberté. La liberté d'être soi-même. » Je ne sais pas si vous avez déjà fréquenté des personnes handicapées intellectuelles. Il n'y a pas de façade avec eux autres. Nous autres, on se met des masques. Hey, moi, j'ai un titre, je suis quelqu'un, moi, là, l'autre. Hey, enlève-lui ton masque, tu es une personne à en avoir un titre. Deuxième phrase qui disait, si on entre en relation avec eux, ils nous humanisent. Et je trouve ça très beau. Et bien entendu, en cette journée de la fête des mères, je veux dire qu'une des façons très spéciales d'être un bon pasteur, c'est d'être une maman. Une maman, c'est quoi, finalement? C'est pas moi qui vais vous expliquer ça, il y en a qui le savent plus que moi. Je dirais dans mes mots à moi, être maman, c'est accueillir tes enfants tels qu'ils sont. Ils sont tous différents, tes enfants. Les aimer assez pour les accueillir avec leurs différences. Et les aimer assez pour les amener à plus. Je dirais toujours que c'est le grand défi, hein? Aimer assez quelqu'un pour l'accueillir tel qu'il est. Et aimer assez quelqu'un pour ne pas le laisser tel qu'il est. Il faut que tu le fasses progresser, là. Puis des fois, là, on se dit, bien, il me semble que je n'y arrive pas, ou je suis peut-être pas la bonne maman, il me manque quelque chose. On disait dans la lecture d'aujourd'hui, c'est Paul et Barnabé qui disaient ça, n'oubliez jamais que vous avez la grâce de Dieu. Ah, mais c'est un autre mère, c'est un... Non, c'est toi. C'est toi que Dieu a choisi. C'est à toi personnellement que ces enfants-là sont confiés, là. C'est pas un hasard, c'est voulu, là. Tu as la grâce pour tes enfants. Et demande-le à Dieu, dis à Dieu, viens m'aider, là, je me sens dépassé.
Tu m'as promis que j'aurais la grâce, donne-moi la grâce pour mes enfants. Alors ce matin, à travers cette célébration, on se fait dire qu'on est tous des pasteurs sans exception. C'est-à-dire, on croit qu'il y a dans notre vie, ça peut être des membres de nos familles, ça peut être de nos amis, des personnes qui nous sont confiées d'une façon spéciale. Dieu veut passer par nous pour les toucher. Et dans le moment de silence qui va suivre, je vous invite à présenter ces personnes-là à Dieu. Dire à Dieu, là, ces personnes-là sont tellement précieuses, donne-moi la grâce pour bien les accompagner.